Enfin, nous commencions à désespérer. Il y avait tellement de voitures, vous ne pouvez pas savoir. Nous avons failli commencer sans vous. Oh, ben vous auriez dû. Oh, vous plaisantez, voyons. Oh, mais voilà Sophie. Bonjour, ma chérie, comment vas-tu? Que tu as grandi. Ça se passe bien à l'école? Oui. Vous connaissez Madame Calmette, hein? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bonjour. Si vous voulez me suivre, c'est par ici. Voyons, Madame Calmette, vous vous mettez là. Là. Elisabeth, là. Vos professeurs à ma droite. Charles, c'est ça, tu te mets entre Madame Calmette et Elisabeth. Hein. Et toi, Sophie, viens, mon trésor, viens, ma petite poussine, tiens. Viens, là, à ma gauche, viens. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Avant-hier, nous sommes allés à l'opéra voir Tristan et Isolde. Et c'était bien? Admirable. La Carlotta et Gelici étaient déchirantes. Quelle voix, quelle présence. C'est dommage qu'elle ait un peu grossi. Vous prenez une cigarette. Merci. Vraiment pas. Ah, volontiers, merci. Et votre voyage en Espagne à propos? Oh, très intéressant, mais... Et quoi? Nous avons dû rentrer plus tôt que prévu. Oui, dans les rues de Madrid, le matin, il y a une odeur absolument écœurante de... Excusez-moi, de nourriture. Vraiment impudique. Que va devenir le monde dans 20 ans si la population continue de s'accroître dans les proportions actuelles? On se le demande. Mais vous dites ça à quel propos? Vous imaginez la quantité de produits toxiques que l'on rejette tous les jours dans les fleuves? Les insecticides, les détergents ou les résidus industriels? Sans oublier les déchets corporels. Bien sûr. C'est bien simple. Nous sommes actuellement près de 4 milliards sur la Terre. Dans 20 ans, nous serons 7 milliards. 7 milliards? Oui. Et quel poids de déchets corporels pensez-vous qu'un individu libère par jour? Oh, mais je ne sais pas, moi. Une demi-livre, moi. Comment beaucoup plus? Pensez que l'urine pèse plus que l'eau. Non, tout compris, je dirais au moins 3 livres. Multiplié par 4 milliards, ça fait 6 milliards de kilos par jour. Dans 20 ans, plus de 10 milliards de kilos. 10 millions de tonnes d'excréments par jour? Exactement. Diable! C'est inquiétant ce qui se passe. Oui? Combien de tonnes avez-vous dit? Plus de 10 millions de tonnes par jour. Et ce sont des déchets extrêmement toxiques. Dont l'action, bien entendu, est renforcée par la présence de produits chimiques. Amusez-vous à faire pipi dans votre aquarium tous les jours, et vous verrez. Maman, j'ai très faim. Voyons, Sophie, on ne dit pas ces mots-là à table, c'est très mal élevé. Excusez-moi un instant. Pardon, on ouvre la salle à manger, s'il vous plaît. C'est la dernière porte au fond du couloir à droite. Ici. Merci beaucoup. Occupé. Oh, pardon.